Ici là, c'est le chapeau. Chapeau. Ça c'est le chapeau de la bière. Chapeau de la bière, ça c'est la bière même. Donc on appelle ça le corps, quoi. Ouais. Ça c'est le corps. Et ça c'est sa tête. Ouais. La tête du piston. Et ça qu'on a. Salut. Aujourd'hui, on va parler des éléments du moteur et leur rôle. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous likez, vous abonnez, vous partagez. On commence. On appelle tête du piston. Ici, là, nous avons. On a trois types de segments. On a le segment racleur. Qui racle, on a le segment d'étanchéité, le segment de feu. Ouais, on appelle ça la tête de piston. Ça c'est son corps. Ouais, et ça c'est son pied, c'est qui là, entre là son pied. Et ça c'est les coussinettes. Même ici dedans c'est les coussinettes. On vient de monter. Bah, c'est les cartons et ça. On vient d'échanger. On est en train de refaire le moteur. Ouais. On monte ça avec de l'huile. On met un peu d'huile là pour faciliter le montage. Et ça, c'est le bloc moteur. On appelle tout ça là le bloc moteur. Donc, ça c'est quoi? Ça, c'est le cœur du véhicule. Ça veut dire quoi? Sans ça là. Le véhicule ne marche pas. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est le cœur du véhicule. Le cœur, le système du véhicule. Donc, c'est ça qui fait bouger le véhicule. Ouais. Et sur le bloc moteur, nous avons ici là la pompe à huile. Nous avons la pompe à huile. Nous avons les tuyauteries. L'huile se balade dedans pour graisser. Les systèmes, quoi. Donc pour graisser le système mécanique, donc pour graisser les éléments mécaniques qui sont à l'intérieur du moteur pour faciliter la rotation du vilebrequin, de l'arbre à câble. Voilà, donc c'est ça, c'est que la pompe, dans la pompe joue un grand fonction sur le moteur. Donc ça permet le graissage du moteur, la pompe. Donc ça pompe de l'huile pour graisser tout le système. Et c'est là derrière nous avons les polis, quoi. Les polis. Ça, c'est la polie de la pompe. C'est ça. Donc, ça veut dire que quoi? Le moteur entraîne la polie de la pompe et la pompe d'injection distribue au niveau des injecteurs. Il distribue au niveau. Il y a ça là-bas. Voilà sa tête là-bas. Voilà, ici là, il distribue le gazole au niveau des injecteurs. Des injecteurs là, voilà. Ici là, les bougies de préchauffage, ça préchauffe. Donc ça, c'est un moteur diesel, quoi. Voilà. Ça, c'est l'arbre à câble. Et ça, c'est la classe. Ça c'est la culasse. Hein? Ça c'est le vilebrequin. Ça c'est là où les pistons se logent. Voilà où les pistons se logent. C'est là. Et ça c'est les tuyaux de passage d'eau qui refroidit la culasse. Ce que vous voyez aussi pour vous. Ça, c'est le carter. Donc, le carter d'huile qui reste en bas du moteur. C'est ça qui contient de l'huile. Oui, pour permettre le graissage du moteur.
Et ici là, nous avons le filtre qui permet de filtrer les calamines dans le carter. Donc, filtre à huile qui permet de filtrer les calamines, comme peut-être comme la saleté, les impuretés qui se trouvaient dans l'huile, pour que l'huile remonte en haut du moteur, que ça ne monte pas avec ces impuretés. Oui, c'est un peu ça. Ici là, nous avons la pièce qu'on appelle le cache-cubiteur. C'est ça qui permet de cacher le système que vous voyez là, l'arbre à cam là. C'est ça qui permet de cacher l'arbre à cam là, dans le cache-cubiteur. Ouais, c'est un peu ça le mécanisme. Ici là, nous avons les différents polis. Donc là, c'est la polie, ça, c'est la polie de la pompe d'injection, et ça, c'est la polie de la pompe à eau, et ça, c'est la polie de la pompe à huile, et ça, c'est le vibrateur, et ça, c'est un galet, donc qui facilite la rotation, et qui facilite la rotation du caoutchouc, quoi. Donc du caoutchouc qui permet, donc le caoutchouc de distribution qui permet de relier tout le système que vous voyez là avec la polie du vibrateur, oui, qui permet de relier tout le système, et le système tourne à même moment. Donc ça veut dire quoi? C'est synchronisé. Donc on les synchronise, on met la courroie là, on met la courroie, ça synchronise le mouvement et marche au même moment. Donc c'est un peu ça le système de distribution. Le système de distribution est très important. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite de partager et de liker. Donc, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. À la prochaine.